général, le ministère de la Santé publique là, parler sur question formation professionnelle santé dans le pays. Le problème, il y a confronté dans niveau si là. Directeur général là, profiter occasion pour rappeler mission MSPP qui s'est remettre professionnel santé qualifié au service de la population. Un extrait micro toujours. Rachel Saint-Fort, Laurent David Jean-Jacques. Bon système de santé, c'est non seulement matériel, médicaments, l'hôpital, mais c'est aussi et avant tout moun. Ça veut dire que sou pa gen moun et sou pa gen moun de qualité, quel que soit sort gagné, système n'a pas bien marché. En termes de coût, par exemple pour l'État haïtien et pour le ministère de la Santé publique, rien que pour catégorie professionnelle ça yo, li coûte nous environ 10% de salaire que tout pour tout professionnel santé en général. Donc imaginez que pour jeunes qui pourraient aller dans le service social, pour jeunes qui pourraient aller dans l'internat, ça fait environ 10% de masse salariale ministère, etc. Au monde, ça, qui ça nous remarque, c'est pas l'année service social dans lui-même, il vient une année obligatoire parce qu'il a droit à licence là, mais certaines fois, nous manquons contrôle sur qualité service social là lui-même. C'est pas une année de formation. Maintenant, il y a des réflexions qui peuvent faire. Et docteur Larsen, directeur formation, pourra peut-être rentrer dans des détails techniques avec nous. Mais tout ça pour nous dire que, en deux ministères, nous conscients qu'il y a des problèmes dans la formation et qu'il y a des équipes qui travaillent sur eux. Et au fur et à mesure que nous avons venu avec des propositions de changement, il y a fait. Nous avons toujours été dans ça qui concerne les dossiers santé pour nous faire qu'on a directeur de formation et perfectionnement dans la science de la santé, Dr Vladimir Lassienne, fait état des lieux de matière professionnelle dans la science de la santé, côté formé exigence dans la question formation qualité, accréditation, difficulté dans la question réussite, examen l'état. C'était l'occasion pour Dr Vladimir Larsen présenter quelques mesures redressement avec perspective pour répondre à quelques problèmes yo rencontré dans la question formation professionnelle en sciences de santé. Nous extrait toujours dans micro collaboratrice Rachel Saint-Fort avec Laurent Dali Jean-Jacques. Nous recensons près de 18 facultés de médecine. Gagne seulement 6 qui gagne papier dans main. Gagne 2 facultés d'odontologie. Gen un seul qui gen droit à faire formation. Gen 2 facultés de pharmacie, gen un seul qui gen droit à faire formation. Gen une école de sage-femme. Gen près de 174 l'école cap formé infirmière que nous recensé. Mais au niveau du ministère là, c'est 83 là-dedans yo qui gen papier reconnaissance. Nous gen 2 l'école qui gen droit à faire formation sur technologie, ce qui menons nous non côté que si nous prenons chaque professionnel ça yo, notamment les médecins, les infirmières, nous avons équipe problème qui pose. Premier bagage là, c'est que faut que formation li de qualité parce que nous là pour nous protéger population chargé avec établissement et nous content des crises qui gagnent au côté que comme en bout de ligne ministère là organise un examen pour l'assurer que les gens qui prennent des papiers pour exercer en tant qu'infirmière, faut qu'ils gagnent les compétences qu'il faut, eh ben, nous connaissons que gagnent pile taux d'échec là très élevé dans ce qui a passé dans l'examen. Maintenant, pour les médecins, ils gagnent effectivement l'exigence 2023 qui n'est pas en jouette et qui déterminée depuis 2010. Nous gagnons la question des diplômés de l'étranger qui a venu en force parce que gagnent en pile et yo dépassé même quantité qui a formé en haïtien. Nous gagnons des médecins qui forment Cuba, nous gagnons qui a formé au Venezuela et gagnent tout même des programmes de résidence ça ne relé moun k'ap fè spécialité que le ministère beaucoup reconnaître non plus. Il y a aussi les hôpitaux qui a formé yo faut que l'hôpital yo yo en mesure pour yo former moun yo parce que nous pas capable nous sommes en santé ou pas ka jouer avec qualité formation.
Jambé dans notre information pour nous faire connaître le Parti national démocratique et progressiste d'Haïti, célébré lundi 19 mars 41 l'année existence sous scène politique haïtienne. Mais action grâce rencontre avec Mam Lio dans le local Parti et parmi activités qui étaient faites pour capable marquer date si là. Un anniversaire qui présentait commencement un ensemble de travail Parti a gain pour réaliser d'après secrétaire exécutif PNDPH là, maître Marc Altidor, réunion extrême amico, Esaïe Aurélusac, Henri Robert Chéri. PNDPH, depuis le te fondé dans l'année 1977, te comprendre bien que bataille pour changer modèle société noire, pour nous construire une nation toute bon vrai, c'est dans l'unité, c'est dans mettre toute force vive nation derrière un projet collectif que n'a c'est peut-être ça. PNDPH, depuis l'année 1986, l'été gain dans la tête li, ancien secrétaire général, la sénateur Tuneb Delpe, qui malheureusement quitte nous, pas jamais suspendre, multiplier tactique depuis la FNC, dans l'année 1987, passer dans la FNCD, dans l'année 1990, j'escrivais jodi a nan Mopod. Nouvelle direction qui nan tête PNDPH là. Après la mort docteur Delpe qui comprend sacrifice lit la mandé voulait prendre même engagement pour rester nan même ligne nan. Nouvelle direction voulait continuer mettre tête li ak l'autre pour nous changer situation paysa. Sainte communauté avec Kiltina Kazale dans tête coulée avec Fondation Lorca pour l'autre Haïti clôturé samedi 17 mars passé à un séminaire formation d'après réalisé sur artisanat musique. Activité formation ça qui déroulé pendant environ 2 semaines était faite dans intention jeune garçon avec jeune fille qui vivent dans Kazale. Colio Eliezer avec Michel Joseph a présenté un compte rendu à suivre. Cérémonie clôture séance formation ça a déroulé en présence plusieurs cadres employés à Xami centre là. C'était occasion pour directeur centre communautaire Akilti Kazala Joseph Mito Derisso te présenter bilan travail réalisé dans Kazal. Joseph Mito Derisso te profité exprimer contentement pour façon séminaire ça a déroulé. C'est une très belle initiative Kazal te besoin depuis bien longtemps parce que nous gagnons un pile petit monde, un pile jeune qui t'a levé grandir dans la communauté. Il n'y a pas de chance pour te joindre une telle activité. Responsable Fondation Lorca pour l'autre Haïti, Joël Lorca, lui-même tout pas caché satisfaction pour qualité de travail sans la dans tête collée avec une fondation réalisée dans la communauté casaloise. Plus loin, Joël Lorca fait qu'on est fondation la dirigée a continuer travail dans tête collée avec dirigeant centre communautaire à Kilti Kazal là yon façon pour bail plus bon service à créer plus développement dans intérêt population Kazal là on veut essayer aider pays dans moyen pas nous parce qu'on pas obligé entrer dans politique on pas obligé et gagne pile quoi pour foncer de bagaille donc nous gagne une telle philosophie nous dit que bon on créer fondation et nous gagnons 4 domaines d'intervention et nous dans éducation, nous dans santé, nous dans services sociaux et également dans les relations internationales. Donc fondation a commencé le travail et puis nous étions seuls mais il y a lorsque 2 ans nous gagnons ancien membre du gouvernement jeunesse notamment Amos Saint-Cyr le président qui vient joindre nous qui offre nous collaborer avec nous. Donc nous venons tourner en vraie organisation parce que nous avons plusieurs jeunes compétents qui collaborent avec nous. Et c'est pour ça que nous faisons en pile l'activité ces jours-ci malgré nos faibles moyens. Séance formation ça, c'est toute occasion pour responsable centre communautaire à Kilti Kazala et dirigeant fondation Lorca pour l'autre Haïti annoncer projet gagné pour population kazaloise là.
Nous avons dans différents titres. Ancien président français Nicolas Sarkozy trouvé dans le cadre d'enquête sur le financement linéaire et la campagne électorale 2007 dans le pays de la France. C'est pour la première fois la justice tendait ancien président français dans le cadre d'enquête là, d'après le journal Le Monde avec Mediapart. Dossier cela l'ouvre dans la justice depuis l'année 2013. Vous avez plus d'informations dans la prochaine édition du journal Télévision Nationale d'Haïti. C'est avec dernière information ça tout que nous mettons bout dans journal la pour matin, mais juste avant nous aller n'a rappelons ensemble point qui était fait essentiel yo pour nous faire connaître c'est la République a organisé pendant une semaine passée une retraite pour permettre sénateurs discuter sur dossier qui gagne rapport avec formation fonctionnement parlement et puis séance qui était faite sous Petro Caribea. Président République la Jovenel Moïse visité samedi 17 mars passé en plusieurs projets dans le cadre de caravane changement qui a réalisé dans le département sud des pays. Parmi chantier ça, il y a un travail curage rivière la Ravine dans le niveau bananier commune et Camperin ou d'asphalte qui commence à faire dans le carrefour méridien pour rivière du 6. Ministre de la Santé publique et population, Dr. Marie-Greta Roy Clément, qui a plusieurs cadres dans le ministère, a participé dans la 36e conférence le lundi de la presse dans le ministère de la Communication qui était organisée. C'était occasion pour ministre Marie-Greta Roy Clément parler sous maladie diphtérie, présenter la situation épidémiologique et maladie SILA avec plan pour freiner. Et à l'échelle internationale, nous t'informons pour une fois qu'on a ancien président français Nicolas Sarkozy trouvé dans la vue dans le cadre d'une enquête sur financement libyen dans la campagne électorale de 2007 dans le pays la France. Nous t'es contents avec le commentaire pour nous capables pour la deuxième sortie de téléjournal. La presse, c'était tout pour une passion excellente journée de mardi. Restez branchés télévision l'État puisque l'information après poursuivre sur antenne télévision.